sorcière pendant 100 ans. Nous avons ouvert ça là. Nous avons dit que l'esclave n'a pas ouvert son nez. Les matos. 100 ans, nous avons ouvert ça. 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 A pai e a possibilidade, se gastou, a nossa dúvida está na nossa mata, por isso eu olhei a possibilidade, a dúvida não. A primeira, a palavra que me disse, o caso me disse, a palavra que me ouviu de que é, não, a hora é o fogo, sabe o que eu vou fazer, eu vou lhe dar a dívida, vou lhe dar a dívida, a palavra que me ouviu de que é, a palavra que me ouviu de que é, Le programme de cette première articulation d'après-midi prévoit à sa suite, nous inviterons le représentant du palais régional à prendre la parole, le Monseigneur Robert Cissé. Merci d'être avec nous cet après-midi et à prendre la parole. Madame la ministre, vous prendrez à la suite de Madame la gouverneure la parole pour nous amener à la cérémonie symbolique de remise des kits alimentaires à quelques bénéficiaires, mais aussi d'une ambulance médicalisée à Madame la gouverneure de la chambre de Sikoussou, ce qui mettra fin à la première grande accumulation de vos activités de la famille. Encore une fois, merci. Bienvenue dans les cités du Bénédicou, Monsieur le maire de la commune urbaine, Monsieur Abdelhamid Sidibé, premier adjoint au maire, et vous invitons à prendre la parole. Le développement social, honorablement le Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres de la délégation ministérielle, Madame le gouverneur de la région de Sikasso, Monsieur le préfet de Sikasso, Monsieur le président du Conseil régional représenté par le premier vice-président, Monsieur le président du Conseil des Sept, Monsieur le représentant du palais régional, Monsieur et Mesdames les chefs de service ici présents, Messieurs les forces de l'ordre et de sécurité présents, Messieurs de la presse, chers légitimités traditionnelles et religieuses, tout pour le corps pour ce pays. Une immense joie m'en est cet après-midi pour souhaiter la cordiale bienvenue à cette importante délégation venue de Bamako, à sa tête Madame le ministre de la Santé, pour magnifier cette cérémonie dédiée à notre ministre des dons pour encore vibrer le cœur de nos concitoyens et concitoyennes. Je tiens à remercier Madame la ministre pour ses gestes hautement patriotiques qui prend sa source depuis la fondation de l'Institut de Chère Patrie. Car de manière plus déterminée de solidarité entre les riches et les pauvres. Et le gouvernement a si bien compris nos plus hautes fonctions qu'on vit en inscrivant, en dédiant, disons, une journée spéciale de solidarité. Et Madame le ministre, depuis son arrivée, jusque conseillère spéciale à la présidence, ensuite ministre du développement social, n'a cessé d'apporter son soutien pour quand même la réussite de cette journée. Je leur souhaite merci. Au nom du maire de la commune de Sikasso et l'ensemble de la population de Sikasso, Madame le ministre, nous ferions plus. Merci. Merci. Madame la représentante de la commission
la transition, monsieur le chef de cabinet du ministère de la Santé et du Développement Social, monsieur le haut fonctionnaire de la Défense du ministère de la Santé et du Développement Social, mesdames, messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé et du Développement Social, distingués membres de la délégation ministérielle, monsieur le directeur général de l'Institut national de la santé publique, monsieur le directeur général de la CANAM, monsieur le directeur général de l'INPS, monsieur le directeur général de la CNSS, monsieur le directeur des finances et du matériel du ministère de la Santé et du Développement Social, monsieur le directeur général de la Santé et de l'Hygiène publique, monsieur le directeur national du Développement Social, monsieur le directeur de la CEPIS, monsieur le représentant des autres professionnels de la santé, monsieur le représentant du syndicat national de la santé et de l'action sociale, monsieur le directeur des cabinets et les membres du cabinet du gouvernement, monsieur le préfet du cercle Sitassou, monsieur le premier vice-président du conseil régional, monsieur le président du conseil des cercles, monsieur le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, monsieur le parrain régional du mois de la solidarité, son représentant, mesdames et messieurs les parrains de cette thématique, puisqu'il s'agit du mois de la solidarité, et nous sommes au mois de la solidarité. Et merci à vous pour les actions posées. Mesdames et messieurs les chefs du service régional, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, messieurs les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les bénéficiaires, chers participants, mesdames et messieurs, en vous rendant grâce à qualité du protocole observé. C'est une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, au nom de la population de Sikasso, pour exprimer notre reconnaissance colonel Assimi Goïta. Votre vision humanitaire et votre dévouement sont publiés à travers la remise généreuse des matériels médicaux à différentes localités et aujourd'hui à Sikasso, en plus des kits alimentaires, vous ouvrez une ambulance médicalisée au district sanitaire de Sikasso. Mesdames et messieurs, chers invités, les kits sanitaires ne sont pas simplement des solutions, mais des ronds d'espoir qui éclairent les foyers les plus nécessités de notre communauté. Chaque sac symbolise la solidarité et l'empathie de Madame la Ministre envers ceux qui traversent des périodes difficiles. L'ambulance médicalisée, quant à elle, représente plus qu'un véhicule équipé. C'est un symbole de l'engagement envers la santé de notre population. Elle renforce notre capacité à répondre aux urgences médicales, assurant ainsi la sécurité et le bien-être de nos populations. Pour terminer, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier chaleureusement Madame la ministre de la Santé pour son leadership inspirant et ses actions concrètes qui améliorent la vie de notre communauté. Ces initiatives ne sont pas seulement des actes de bienveillance, mais des investissements dans un avenir où la compassion et la santé prospèrent à Sikasso. Nous vous donnons l'assurance que bon usage de la paix et de l'ambiance. Que Dieu bénisse le Mali et qu'il vive la solidarité dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Mme Lebrun. Vive la transition. Vive la transition, madame. Merci. Madame la ministre, comme dit lorsqu'on donne, on sait dire merci. Et même avant de donner, on m'a dit, quand c'est avancé, on vous dit merci.
je voudrais inviter le porte-parole des bénéficiaires. Mais, ben, 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 ben
Elle le reprend présent. Yahweh les clés, elle le reprend présent. Et je sais que si y a son cas ou cas, le problème fait des dénoms. A Béba, son corps, comme là, elle est calme. Donc, à la base, il y a une qui est au cas. Merci beaucoup. Donc, cérémonie, toi, quand tu as fora, je pense que vous avez l'air de ton corps, mais bon. Mais, ne me pas pour la série bénéficiaire ou moins. Car il y a un fort, un des calomina, nous on démet calom. Nous on démet qu'elle fait bien, qu'elle dit calom. Président de la transition, le gouvernement, le premier ministre, CNT, CNT est représentative, la guerre foyer. Mali est en paix de faire un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. 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 Ni les nègres, I'm gonna go get some more.
cadre de la 28e édition du mois de la solidarité, au nom du président de la transition, le gouvernement de la chef de l'État, au nom de son premier ministre, le docteur Fidel Kouba-Maïga, au nom de tout le gouvernement, au nom du Conseil national de la transition, de toutes les institutions qui ont tout fait pour que ce mois se passe très bien pour tous les Maliens. Ravi d'avoir fait ce mois, pu atteindre les vraies cibles, parce qu'il y a une étude qui a été faite, on a envoyé des précurseurs, chaque bénéficiaire rentre directement avec ceux qui l'ont. Le district sanitaire de Sikasso a ici reçu de vos mains une ambulance médicalisée. Quel est ce message qui a accompagné cette ambulance? C'est que depuis le début de la transition, les plus hautes autorités ont toujours voulu que le Malien soit au centre de toutes nos préoccupations. Et la santé, c'est très très important. Donc cette ambulance pour aider les populations de Sikasso, pour soulager les souffrances des populations de Sikasso. Merci. Il est mon défaut à Dikoromé. Oui, il faut le gouvernement, il dit transformer. Le ministre de la Santé, il faut le gouvernement. Il faut le gouvernement. Il faut le gouvernement. Il faut le gouvernement. Donc, je suis sur les adjoints et tout. C'est un niveau qui m'a dit que je suis en train de me faire une période de soudure. Donc, je suis sur le ministre de la Santé qui a dit que je suis en train de me faire une période de empêcher la massacre. Sinon, je suis en train de me faire une cérémonie. Donc, je suis en train de me faire une population qui a été en train de me faire une transition vers la folie du ministre. Quel est ce message que vous adressez à ceux qui ont donné ce vivre pour votre population? Merci. Thank you.